c'est Nigar Nogiyuja. Je suis une personne migrante. Je suis un réfugié ici en Belgique. Je viens d'un pays d'Afrique de l'Est, ça s'appelle Burundi. Mais j'ai grandi aussi en Ouganda, là où j'étais aussi réfugié. Du coup, la Belgique, c'est mon deuxième pays d'accueil. Je suis une personne non binaire, mais je pense que je peux aussi rentrer dans cette catégorie des hommes qui couchent avec les hommes. Selon mon expérience sur la question des hommes qui couchent avec les autres hommes, venant du Burundi ou de l'Ouganda, ces deux pays d'Afrique de l'Est, ce qui veut dire c'est un peu similaire. Avec la Belgique, c'est que déjà en fait la différence c'est qu'au Burundi, en Ouganda, c'est un pays qui criminalise la sexualité entre hommes. Du coup, en fait, ils vont se cacher. Ils vont utiliser des méthodes en fait qui sont considérées ici comme pas safe. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire en fait pour qu'ils ne peuvent pas être attrapés, être emprisonnés. Et en tant que personne migrante qui vient juste d'arriver en Belgique, se trouve dans des situations très précaires, en fait que tout ça a un impact sur leur sexualité. Surtout en fait, c'est des personnes migrantes, c'est des personnes des réfugiés, qui veut dire en fait qu'ils ont quitté leur pays pour venir en Belgique. Déjà avant de quitter, c'est qu'ils ont vécu des traumas. Le fait de quitter, c'est que tu quittes un lieu là où tu ne te sens pas à l'aise. Enfin, c'est des gens en fait qui viennent avec tous les charges sur eux. Et aussi en fait, il y a le côté qu'en arrivant en Belgique, en tant que personne réfugiée, moi je suis arrivé en 2018, je me sentais que je ne suis pas vraiment accueilli ou bien que je ne suis pas accepté dans ce pays. Mais non, en fait, que déjà en fait, il y a ce bagage de la xénophobie. Du coup, ce que tu vas faire directement, c'est d'aller trouver cet accueil dans ta communauté. Et malheureusement, dans ces communautés-là, on trouve l'homophobie. C'est des personnes précaires, sans papier, tout ça. Enfin, tout ça en fait joue dans leur sexualité, dans leurs identités, la manière en fait de vivre. Il y a le manque de savoir, il y a le manque de dire en fait que ouais, j'ai pris le risque. Se faire dépister, c'est que tu t'attends qu'il y aura des questions qui sont posées. Comment tu as attrapé ça? Ça aussi, ça joue du fait que tu te dis mais non, moi je veux pas aller. Enfin, déjà, je n'ai pas affaire avec des personnes qui me sont proches, mais là, je vais me faire les gens qui vont me juger et tout ça. Peut-être que c'est des personnes en fait qui se trouvent dans des situations, dans des environnements où là, ils n'ont pas accès peut-être à cette éducation sur le dépistage, sur la santé sexuelle. C'est comme on le dit toujours, utiliser un préservatif. Mais on sait tous que parfois tu prends des risques, c'est des choses qui arrivent. Mais ce qui est le plus important, c'est que le sida est toujours réel, le VIH, le virus et tout, enfin les IST sont toujours là. Mais il y a la prévention, il y a moyen d'aller se dépister. Il y a la PrEP en fait que tu peux prendre, qui te protège du VIH mais pas les IST. Mais au moins ça te donne aussi l'opportunité de te faire dépister tous les 3 mois. Sans statut ou demandeur d'asile et tout ça, tu ne peux pas avoir accès. Du coup, en fait, ça joue aussi. Enfin, ça joue que tu es précaire, tu es personne précaire, sans statut, sans papier et tout. Et alors que la PrEP est remboursée par la mutuelle. Sans la mutuelle, c'est quelque chose de très, très cher, que ce n'est pas toute personne qui peut se le permettre. Maintenant, en fait, il y a un discours aussi qui dit en fait la PrEP, c'est pour que tu couches facilement et tout ça, sans préservatif, sans prise de tête. Mais en fait, c'est que ce discours change, qu'il y a une éducation. J'en parle souvent avec des gens qui disent, mais en fait, c'est quoi la PrEP? Ils savent pas. Mais qui veut dire en fait que ce qu'il y a à faire, en fait, c'est de plus éduquer. C'est qu'il y a des structures. Enfin, déjà, la première chose, en fait, il y a à Rainbow House, et tu peux trouver des docteurs qu'on appelle des docteurs friendly, gay friendly. C'est des médecins en fait qui soient homosexuels ou bien qui travaillent avec ce public-là. Il y a la prévention VIH. Et en fait, c'est des structures qui sont mieux formées pour des personnes LGBT, des personnes dans le milieu migratoire et un peu partout. Déjà, en fait, pour avoir accès à la santé, c'est quelque chose de privilégié. Enfin, déjà, en fait, c'est un frein. Et aussi sur la question de la sexualité, de dire en fait comment moi je vais aller à l'hôpital ou dans un centre de la prévention VIH et tout ça, vu que ils vont me poser la question, je vais parler du fait que je sois homosexuel ou pas, ou bien peut-être que je vais mentir, de dire en fait que ouais, que je l'ai attrapé avec une femme et tout. Je lance un appel à des personnes en fait qui m'écoutent, des personnes
migrantes, personnes réfugiées, sans papier et tout ça, que en fait il y a toujours un moyen pour aller vers ces structures-là et d'avoir en fait ce dépistage. Mais aller juste pour discuter sur la question de la santé sexuelle, enfin si tu as des questions sur la PrEP, sur les, enfin, tout ce qui est prévention, vous pouvez aller là-bas, c'est des structures mieux formées.